Au mois d'octobre dernier, Camille Lelouch devenait maman pour la première fois. Un heureux événement sur lequel elle n'hésite pas à se confier en toute sincérité sur les réseaux sociaux. Pas question en revanche d'exposer sa fille Alma. Non, l'humoriste préfère évoquer ses premiers pas de jeune maman. Entre sa tournée, ses projets professionnels et son bébé, l'artiste a toutefois trouvé le temps de partager une nouvelle vidéo sur son compte Instagram. En effet, ce mercredi 10 mai 2023, elle a tenu à adresser un petit message à ses abonnés. Dans celui-ci, Camille Lelouch évoque son post-partum, et plus précisément ses kilos de grossesse. Camille Lelouch @dr la meilleure vie est avec un bébé, si est-il la priorité ainsi, elle confie aux internautes avoir repris le sport 2 heures par jour, 5 jours sur 7. J'ai perdu 7 kilos en un mois. La peau du ventre est bien retendue. Mes jambes et mes mollets. Si est-il un truc de fou. Mes cheveux ont repris une super épaisseur, confie-t-elle. Mais la jeune maman ne tarde pas à révéler le pot rose. Et oui, tout cela est faux. Comme toutes les mamans, Camille Lelouch doit jongler entre sa vie de famille et sa vie professionnelle. Ainsi, 7 mois après la naissance de sa fille, elle avoue ne pas avoir perdu tous ses kilos de grossesse. Mais plutôt que de s'apitoyer sur son sort, elle préfère prendre tout cela avec humour. La jeune maman confie, « Je suis vraiment dans l'inverse, et si est-il ce qui est génial en fait ?» On n'a pas le temps, on travaille et on a un bébé. La meilleure vie est avec un bébé, si est-il la priorité. Et hop, on arrive en été, on se dit mais où est donc passé mon corps d'antan? Une question à laquelle elle répond en chantant, il ne reviendra plus jamais. Camille Lelouch précise avoir repris le sport 2 fois par semaine, quand son emploi du temps le lui permet. Les mamans remercient Camille Lelouch des confidences qui n'ont pas manqué de faire réagir la toile. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'humoriste, qui est également chanteuse, a pu compter sur la bienveillance de ses abonnés, comme le prouvent ses messages postés sous sa publication, « Vous êtes canon Camille. Le corps d'avant-grossesse s'est surcoté. Merci de refléter la vraie vie du post-partum. Merci Camille, vous nous rassurez toutes. Les miens ont 10 et 7 temps et je n'ai toujours pas eu le temps de reprendre le sport. Merci de dire la vérité sur cette étape aussi merveilleuse que perturbante dans la vie de maman. Avec le temps tout arrive mais la société nous met cette pression merdique. Des confidences qui ont visiblement réchauffé le cœur à plus d'une maman.